Dans la rubrique la vie haïtienne, dans le pays Mexique, je dis à nous gagner citoyen ici là qui c'est Yvon qui décide font un dialogue avec la plateforme Leona Shoa. Monsieur Yvon, Nabdou, bonsoir et bienvenue sur la plateforme Leona Shoa. Bonsoir monsieur Leona Shoa, comment vous êtes? En forme. OK, mon cher, c'est un plaisir, je suis content. Oui, m'a salué au nom plateforme organisation diaspora haïtienne. Et félicitations pour la population haïtienne dans le Mexique. C'est un gros plaisir de dire pour nous rencontrer face à face. Nous avons parlé sur le réseau, mais nous n'avons pas en communication pour nous. Je dis à mon content. Et puis moi, Pasteur Fristel, nous venons de l'église là. Bon, nous partageons quelques idées. Alors, merci de ce qui nous accueille moi dans la fédération. Nous disons bienvenue et dans la communauté haïtienne. Yeah. Nous venons dans Mexico City, c'est tout. Alors, et même combien de temps ici au Mexique? Ben, normalement, là, j'ai 9 mois là. 9 mois? Yeah. Okay. C'est monté dans la capitale Mexique 6 novembre. Et puis après, en décembre, monté dans Comal pour possession papier, mais ça a beaucoup marché. Okay. Et où tu es sorti Haïti directement pour devenir yeah, ici ou dans l'autre pays? Non, je suis sorti Haïti. Haïti, là qui est sorti Haïti? Et je suis sorti Carrefour. Ok. Faut-il raconter une expérience? Comment processus a été sorti Haïti pour arriver au Mexique? Bon, sorti Haïti pour venir à Nicaragua, pas tellement trop compliqué parce que c'était un avion. Mais après, pour venir sortir Nicaragua pour faire plusieurs transformations, c'était vraiment difficile de commencer à décourager. Mais après, lorsque les garçons sont sortis, bon, on les a. Mais après, ça tout bas était allé bien. Je suis arrivé à Guatemala, je suis arrivé à Vasi, je suis arrivé à 5 jours dans l'hôtel. Yeah. Combien de jours tu as fait dans la route là même? Non, moi, j'ai fait 2 jours. Parce que dans le jour où venir nous-mêmes, nous n'avons pas trop pressé de venir. Exactement, j'ai été au Guatemala dans l'hôtel. J'ai eu 3 bouteilles, j'ai choisi de venir. Et puis après, j'ai fait 2 jours dans la route. Okay. Qui est-ce qui est plus difficile de rencontrer dans la route là, sortir de Nicaragua pour arriver au Mexique? Bon, ça qui est plus difficile. L'un de arrivé au Guatemala, nous avons posé, nous avons entré pour nous entrer dans la zone de côté pour entrer capitale. Tu as un handicap, immigration, et pour te faire plusieurs rencontres avec les gens, mais après ça, bon Dieu, tu n'as pas quitté trois ans, parce que devant moi, tu as un problème, mais pas si tu as un problème. Ça. Ok. C'est bon. Combien de temps tu as évalué que tu as dépensé sorti Haïti pour arriver au Mexique? Bon, on est de Haïti avec Mexique, on est haïtien, même depuis l'autre nation, on a toujours profité de Haïti, on a toujours boulé nous. Parce que tu passes, on connaît l'autre nation, on paye 100 personnes, les Haïtiens, on paye 200, 300. Ça veut dire comme là, on va y aller. Normalement, tu dépenses 5 000 $ américains quand même. 5 000 $ américains peut-être pour seulement dans la route là? Oui, yeah, parce que on paye passage, on paye, etc. Bagay, on connaît. Oh. Boulets, ok, vol là lui-même, oh, par exemple, et pour vol là? Voilà, il a dit 3 000 $. 3 000 $. Mm-hmm. Ok, vous payez 3 000 $, vous payez acheter 3 000 $ yeah. Pour vol là. Après, vous achetez mais bien. Mais dans la route là, vous dépensez 2 000 $ américains. Oui, parce que vous êtes à l'hôtel, bah, et puis chaque temps, pour qu'on puisse dire que ce marché nous prend pour arriver dans la capitale là, ça a été vraiment difficile. Et puis, il n'y a pas quoi faire, pour puisse pas. Et nous pas faire même genre nous te faire parce que le transport est défait. Parce que nous débrouillons les premiers coups de marché nous te prend. OCC, Nick Soti, il va faire 7 minutes avec nous, puis en bas pour nous mettre nous là, et puis Guad pour nous retourner en Guatemala, parce qu'il me retourne en bas encore. Ah, l'autre, il ne fait pas tout là, il retourne en Guatemala. Oui, fait, parce que OCC, pour nous, il est privé avec nous, il est juste pour nous. OCC, c'est un compagnie Ibis. Un compagnie Ibis. Et puis, quand il est pour nous, il met nous sur le pont Guatemala. Et puis après, c'est pour nous prendre la machine encore, pour nous prendre Guatemala, il est là, il là. C'est tout ça, c'est pour l'autre l'argent. Ok, Soti, tu pas tout là pour vivre Mexico City, comment ça te. Bon, et après le tour au CCA, ça n'a pas été trop compliqué parce que nous avons fait calcul, nous n'avons pas de visuel direct encore. Nous avons fait transborder. Nous avons fait ça comme une paye plus tard. Parce que sortir là, on prend l'autre machine, sortir là, on prend l'autre, sortir là, on prend l'autre moto. Et puis ça a été un wagon pour exact. Ok. Et destination, Mexique ou bien États-Unis? Mon cher, destination, c'est en résidence moi. Pour me revenir et puis pour montrer la famille moi. Et puis pour moi, l'activité. Dans le Mexique, parce que moi, je vais fonctionner là-dedans, parce que j'ai un atout. Si tu vas vivre au Mexique? Yeah, si je vais aller aux États-Unis, je vais aller parce que je suis dans un groupe de jeunes, je vais aller. En jeunes, là, ou pas aller? Oui, yeah, en jeunes, pendant 2 fois, je vais aller. Et là, en jeunes, pendant 2 fois, ou pas aller? À quel sentiment? Comment on sent même? Non, je vais sentir, je vais sauf que l'autre partenaire qui est ensemble, je vais dire que ça va passer ou pas, ou bien, je vais dire que je vais mettre parce que je vais faire le papier au Mexique. Parce que là, je suis Haïti dans le cours. Mais jour là, je viens de pidi. Là, on a une possibilité de payer à bord. Au bon résident, sur le cas, je viens de payer, faciliter le ventre de femme au plus rapide. Dès que vous passez en papier, vous n'avez pas oublié
pas de raison pour qu'il soit aux États-Unis. Mais si vous gagnez des, vous voulez penser avec l'argent payé pour vous, vous obligez de rester. Et puis vous ne réglez pas de vous votre femme. Qui est-ce que nous avons en Haïti ou à partir de l'offre? J'ai madame, j'ai petite, j'ai cousin, j'ai frère, j'ai maman. Tout le monde s'est rentré. Et puis j'ai une autre cousine moi qui est là, dans l'autre camion avec mon autre petit frère, moi, il faut que je prenne mon zéro. Vas-y, y'a. Et puis moi, avant d'aller payer à Baou, aller aux États-Unis, c'est pas lui qui va. Allez, l'autre bois, c'est on fait dollars. Si on fait perso, mais ne bougez pas, bien, on va travailler. Le papier aucun nègre, c'est travail au besoin. Et puis moi, des fois, travail, j'ai tout papier, j'ai accès au cash, t'es caillou. Qu'a fait tout son mexicain qu'a fait café. Avait dit, beaucoup mal entré aux États-Unis. Avait dit, depuis bon, j'ai passé avec mes papiers, la semaine très tôt. Et puis, je travaille, je viens pour la famille, je viens me poser. Ok, pour ça, qui gagne pour avec travail ici, là, malgré pour qu'on gagne résidence là, est-ce que jusqu'à présent, vous travaillez assez pour gérer Bilo ici, là? Mon cher, il n'est pas grand, mais comme. Parce que vous avez dit, Bill en bas ici, il n'y a pas même avec sous frontière. En bas ici, moins cher. Avec vous dit, quand même, comme il n'y a pas gros, et pour caper, caille, pour manger, et pour poser. Par exemple, combien de vous café dans une semaine, comme si pas une semaine au pays ici? Plus ou moins. Plus ou moins, quand on est là, 2000 personnes. 2000 pesos. 2000 pesos, ça, dans ce moment, il suffit pour gérer. Oui, parce que là, vous venez valier moi, vous venez bon petit monde. Vous pouvez gérer quelques bagages. Mais là, vous avez un papier. Vous pouvez travailler pourquoi? Parce que la majorité pour prendre un bon travail, vous avez un papier. Ok. Y a, parce que vous avez un travail de sécurité qui était vraiment bon, qui était 10 100 pesos par quinzaine. Moi, j'ai venu 20 200. Mais vous avez pris un avec comment ce papier, comment vous avez gagné. Mais le monde qui était venu en charge de dossier, c'est un mauvais gars. Et puis, il est venu à peu et puis une bonne vague. On a moins de mal à chercher go pendant papier pas légal et puis mon côté non ça me et puis plus comme légal et puis mon travail. OK. Et alors déjà dit que ouais au café on vit ici. Si, mais pour te quitter Haïti, est-ce qu'il y a un événement personnel qui te cause de quitter Haïti ou bien c'est toujours le même problème commun qui bon. Rejoint tout le monde. Et un problème qui dépasse, mais j'ai une femme qui tiré et puis ça donne un problème pour moi. Et puis après ça en bouteillage pays à venir nous plus dans cour et puis on va chercher côté pour capier équilibre pour cailler derrière c'est tout. OK. Alors déjà n'a pas merci et d'être côté choisi et participer sur plateforme Léona Choua. Courage tant toute bagaille fonctionner je dis vraiment. Et alors ça étonné moi je l'ai à 10 fois ou dit comme ça qu'on pas choisi aller. Et pour nous capable finaliser qui message vous voulez bailler l'autre compatriote yo qui peut-être vivre ici qui pas ouais qui occasionne opportunité ici là dans le pays Mexique. Bon, le message m'a appelé c'est pour vous, je veux que comprendre. Pour jouer une réalité, il faut qu'on prenne un petit temps pour chercher, pour qu'on trouve. Parce que vous avez courir, vous aller aux États-Unis, vous aller dans l'X, et souffre. Et moi, je suis allé sous terre, en tout cas, le monde, c'est Chili, Brésil, qui est allé, ou bien le monde qui est allé dans Biden, c'est dans la rue d'homme. Le monde qui fait le pouvoir, il n'y a pas assez de possibilités pour qu'il y ait la caille. Je dis tout ça, dès que vous avez un bon sens, vous avez un petit temps et vous vivez pour barrer. Aux États-Unis, là, il va fermer. Je vais bien aller. Il est d'accord. Merci, Zamim, et nous apprenons dans l'autre occasion. Merci, Léonacho. Et puis, je salue Pasteur Frisnel, parce qu'il a fait pas. C'est grâce à Pasteur Frisnel qui fait nous là. Maman, Pasteur Frisnel, parce que moi, il compte pas. Ah oui.